Je suis Florian Benestro, le responsable de Ma Villa Novilis, qui est une filiale du groupe Novilis, constructeur de maisons individuelles sur la région toulousaine. Alors nous déclinons notre engagement écologique sur quatre points essentiels. Donc la première, c'est le choix de nos matériaux, choisir un maximum de matériaux décarbonés pour permettre justement à nos chantiers d'être le plus propre possible. Également dans le choix de nos entreprises, nous essayons géographiquement d'avoir des chantiers les plus proches possibles de nos artisans afin justement de limiter au maximum leurs déplacements et donc leur empreinte carbone. Nous avons également au siège social proposé à nos salariés, nos collaborateurs, des bornes de recharge électrique pour les véhicules. Et nous avons également des centres de tri sur nos agences pour gérer tout ce qui est déchets de papier du quotidien. Donc avant tri and collect, sur nos chantiers, nous constations malheureusement beaucoup d'enfouissements et également dans la pire des cas des déchets brûlés sur le site, ce qui était complètement inconcevable pour nous. Je pense que chaque geste compte aujourd'hui et il fallait trouver une solution qui permette à nos artisans de pouvoir valoriser et nous aider vraiment à gérer cette transition écologique sur les chantiers de manière la plus simple possible. Alors nous nous sommes approprié la solution tri and collect de manière assez simple puisqu'un collecteur est venu sur nos chantiers sensibiliser nos artisans à ce tri, la manière de faire, les bons gestes à avoir, et ça a été très bien reçu dans le sens où à partir du moment où on a donné les moyens à nos artisans de pouvoir gérer ce tri, on a facilité aussi le boulot tri and collect derrière. Alors à mon sens, c'est dans un premier temps l'accompagnement, parce que c'est très important justement d'être suivi et accompagné dans ce genre de transition, qui sont des choses assez nouvelles pour nous comme nos artisans. Le deuxième point essentiel, ce sera l'éco-responsabilité, puisque je pense que c'est une responsabilité que nous avons tous aujourd'hui en tant que professionnels du bâtiment. Nous sommes sur un secteur le plus polluant aujourd'hui. Le dernier mot, ce sera responsable, parce que nous sommes tous responsables de l'impact que nous pouvons avoir sur notre environnement. Et au-delà de la gestion des déchets basiques, nous avons aussi quand même cette possibilité de réutiliser, revaloriser des matériaux qu'on utilise. Et ça a été un point très important de notre association Ma Villa Novilis et Tri and Collect.